Bonsoir à tout le monde. C'est l'effet d'un séisme au Cameroun. Le scandale autour du message de Martin Hangla sur les réseaux sociaux encore. Comme si le Cameroun avait besoin de ça. Mais bon, disons que le Cameroun ne vit que de ça. Le Cameroun ne vit que de ça. Est-ce qu'on entend quelque chose de positif qui sort du Cameroun un jour? C'est quand la dernière fois qu'on a entendu quelque chose de positif qui sort du Cameroun un jour? On ne vit que de ça. De toute façon, on dit même souvent que le Cameroun n'est qu'une nation de football. Et là, la sortie de Martin Hangla, le message qu'il a écrit, c'est un message, on ne s'imagine même pas à quel point il va encore déchirer notre pays. Il n'y a que les joueurs de football du Cameroun qui sont connus hors des frontières camerounaises. Pas les ingénieurs, pas les scientifiques, pas les inventeurs. Il n'y a que les joueurs de football. C'est ce football-là même qui nous fait vibrer et c'est ce football-là même qui nous divise aussi. Oui, il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se mentir. Au Cameroun, il n'y a que les extrêmes. Il n'y a que les extrêmes. Il n'y a pas de juste milieu. Le juste milieu chez nous, il est ennuyeux. On ne peut pas être content d'être qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations, non. Il faut que juste après ça, qu'il y ait une crise pour qu'on se sente camerounais. On va jeter Martin Hangla à la vindicte populaire. Il est devenu tribaliste. J'ai ouvert le dictionnaire qu'on appelle le littré. Je n'ai même pas trouvé la définition du mot tribaliste. Franchement, il faut le faire. On est parti à la Coupe du Monde au Qatar. Il y a eu la polémique autour de l'absence de Ngadeu. Maintenant, on part à la Coupe d'Afrique. Il y aura la polémique autour de la présence de Martin Hangla. Waouh! Et vous savez quoi? Le sélectionneur Rigobert Sombahana, il est bassa comme Martin Hangla. Maintenant, on lui met déjà la pression. Valsero lui a déjà mis la pression. Dis donc, le Cameroun n'est pas facile. On dit que si on t'explique le Cameroun et que tu comprends le Cameroun, tu n'as rien compris. Je ne te souhaite pas d'être Camerounais. Parce que nous, chez nous, c'est ce qu'on aime. C'est même ce qu'on glorifie. On glorifie le fait de mariner, je dis bien, de mariner dans les problèmes. Ce n'est pas pour rien que quand il y a des matchs couperets, on est toujours excellent. Vous n'avez pas remarqué? Quand il y a des matchs couperets, on est toujours excellent. Parce que nous, au Cameroun, on aime mariner dans les problèmes. On aime, je dis bien, mariner dans les problèmes. Non, le paradis ne peut pas exister. Au Cameroun, non. Nous, c'est l'enfer. Nous, c'est l'enfer. Chez nous, c'est l'enfer. Tout est infernal. Oui. La FECAFOOT. La FECAFOOT, ils vont faire comme ça, comme on dit au Cameroun. Samuel Eto'o ne peut jamais dormir tranquille. Samuel Eto'o, tu ne peux plus jamais dormir tranquille. Rigobert Song, c'est pareil. Pourtant, Martin Hangla, il n'était même pas lors du match contre le Burundi.
Mais juste parce qu'il a porté la tunique, et juste parce qu'il peut être amené à porter la tunique, vous comprenez mon pays. Est-ce que vous le comprenez maintenant? Parce que si vous l'avez compris, vous ne l'avez vraiment pas compris. Vous ne pouvez même pas le comprendre. Vous ne pouvez même pas le comprendre. Oui, c'est triste.